Ah, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va généraliser l'emploi précaire pour les femmes et pour les jeunes. On va avoir des horaires d'ouverture tous les dimanches. Tous les dimanches et des horaires en nocturne. Pour quel intérêt? En fin de compte, c'est juste, il n'y a aucun intérêt économique. C'est juste la mort du petit commerce. C'est juste pour que les grands groupes accroissent leur part de marché. Pourquoi aucun intérêt économique? Mais parce que quand vous avez 100 euros à dépenser le dimanche, vous n'avez pas à le dépenser le lundi, dans une période où le pouvoir d'achat baisse, où les salaires stagnent. Donc on n'a pas plus de pouvoir d'achat, donc on n'a pas plus de pouvoir d'achat à dépenser dans ces grands magasins, dans les centres commerciaux. Donc là, vraiment, on ouvre pour accroître les parts de marché, pour que le concurrent aujourd'hui ait moins de parts de marché. Donc aucun intérêt pour le salarié, même si on comprend parfaitement que le salarié qui a temps partiel, qui a un petit revenu, veut augmenter son salaire. Ça, c'est normal. Mais à la fin de cette guerre économique, ce sera licenciement pour un grand nombre, ce sera beaucoup de casses et des entreprises qui vont également revenir sur ces horaires. Donc la majoration qui est promise aux salariés, elle va disparaître.